Robert Kabushinga, un caféiculteur qui vit dans le district de Wasiko en Ouganda, fait partie des producteurs mécontents de la décision de l'Ouganda le mois dernier de se retirer de l'OIC, Organisation internationale du café. L'Ouganda affirme que les tarifs et autres obstacles limitant ses exportations de café ont motivé cette décision critiquée par certains producteurs. Comment cela affecte-t-il le cultivateur? L'acheteur de café n'achète que parce qu'il peut vendre et s'il est sûr d'avoir un contrat. Il n'achètera pas s'il n'est pas sûr de pouvoir l'amener dans les stocks certifiés des entrepôts de l'International Commodity Exchange. Et à cause de cela, nous pourrions très facilement nous retrouver avec une récolte excédentaire ici parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Mais le syndicat national des producteurs de café, qui regroupe quelques 1500 caféiculteurs, soutient la décision de retrait du gouvernement. Son directeur exécutif, Joseph Nkandou, affirme que les agriculteurs ont désormais la possibilité de s'approprier leurs produits, d'investir et d'améliorer leur café. The farmer has been getting... L'agriculteur obtient souvent moins de 5% de la valeur au détail, ou vend les 95%. La seule façon pour cet agriculteur d'améliorer ce qu'il tire de cette chaîne de valeur du café est de se mettre à niveau. Le retrait de l'Ouganda ne signifie pas la fin des exportations de café, a déclaré le directeur général de l'Agence ougandaise de développement du café. Emmanuel Iyamulemye affirme que l'Ouganda peut désormais se concentrer sur la promotion de son café sur d'autres marchés. Nous cherchons des marchés spécialisés. Nous avons nos PME qui cherchent à pénétrer de grands marchés comme les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et bien sûr les pays scandinaves et l'Europe. Les responsables de l'OIC affirment que l'organisation a tenté de résoudre les plaintes de l'Ouganda sans succès pour le moment. L'OIC envisage l'intégration du secteur privé et d'un groupe de travail public-privé dans un nouveau projet d'accord sur le café. Pour rappel, l'Ouganda est le premier exportateur de café robusta en Afrique, avec 6,1 millions de sacs exportés chaque année.